Oh,
conditions. Et la somme de limite pour tous les sorts de l'endroit. Ça, c'est cool. Je remets ça à Jessica. À partir du moment où Jessica a accepté tes présents, tu lui demandes de remettre cet argent et cette bouteille à son père afin qu'il bénisse votre union. Enfin, nous avons pris un engagement que nous sommes en train de réaliser. Mais cette réalisation va passer par la bénédiction de ton père. Simplement, elle est dans l'église. Elle a laissé les coutumes qui sont les nôtres. Ceci, ça m'a fait très mal. Ce n'est pas grave. Je la pardonne. Je te pardonne. C'est peut-être l'ignorance, certaines choses. Va en paix. Je te donne ma bénédiction. Quelque chose sans laquelle le mariage n'a pas son sens. Donc nous attendons. Rapidement, parce qu'il y a un peu d'émotion dans l'air.
Vous savez, l'étape de tout à l'heure est une étape difficile. Nous, les papas qui avons déjà eu à passer par cette étape-là, il est parfois difficile de nous voir vraiment rester tels que nous sommes. Apportez ça ici. Voilà. Alors, tu vas goûter. D'abord ça, ensuite l'autre. Maintenant, moi, je vais t'observer pendant 3 minutes. Si au bout de 3 minutes, tu ne tombes pas, moi aussi, je vais goûter. Et lorsque j'aurai goûté, eh bien, on va te dire merci. Bien, bon. C'est bon. Kombe Nyumba était cette boisson-là qui scellait le mariage. La fabrication de cette boisson, en fait, elle demeure un peu traditionnelle. Hein? Mais c'est des personnes initiées qui en détiennent le secret. Et lorsqu'on devait arriver à un mariage, on le consommait pour dire on est d'accord. C'est pourquoi moi je le bois. Oh, alou, mina, ma, olimo, mina, bo, mene, yonka, kekola, mina, bo. Yomba Iyalo, Yomba Boué, Yomba Salé, Yomba Salé. Merci beaucoup. Maintenant, elle est mariée. Alors, je vois. Bien. Lorsqu'une femme est mariée, la tradition commande que nous l'amenons dans sa belle famille. Et aujourd'hui, Jessica rentre dans une nouvelle famille. On a dit quand même quoi? Bye bye. Donc, Jessica est rentrée dans sa nouvelle famille. Non pas qu'elle n'est plus sa famille, mais elle est rentrée désormais dans sa nouvelle famille. Les personnes qui sont ici, ce sont tes beaux-parents désormais. Ce sont tes mamans et tes papas. Désormais, tu devras te compter avec eux dans le déroulé de ta vie. Parce que la personne sur qui je vais te poser là est mariée alors très longtemps. Elle est mariée après nous. Ok? Alors, maintenant, on va dire. Ah, Yomba le mort! Yomba le mort!
base pour garder dans la discussion. Une réalité parce que, en effet, le mariage consiste à échanger les rapports. On dit chez nous, si tu as fait un garçon, tu l'échanges avec une fille. Tout à fait. Et si tu as fait une fille, tu l'échanges avec un garçon. Et pourquoi vous aussi en l'amenant chez vous? J'aimerais savoir qui est le référent. Eh bien, le référent est compliqué. Voilà, donc j'amène mon fils. Papa, yo, tu es pas.